Hey, tu sais pas quoi faire? T'as les poubelles pleines? Tu t'ennuies? Tu t'ennuies? On va construire un saxophone électrique. À pile. Un rouleau en carton. J'ai mon sax à pile. Hey, tu t'ennuies? Un rouleau en carton. Une cuillère. Un ballon. Ok, ça, tu le places sur la cuillère et t'as ton bec de saxophone. Et là, on va lui donner de l'air. Des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. L'espace entre les trous est de 3 cm à chaque fois à peu près. Le trou a un diamètre de 1 cm. Et là, j'en ai fait un de trop, donc ça sonne pourrave. Ça sonne pourrave. Alors je le rebouche. Ni vu ni connu. Important. Le ballon qui vient se tendre sur le manche de la cuillère doit se trouver à peu près à 1 cm en dessous du niveau du rouleau. L'air va essayer de rentrer dans le tuyau en faisant vibrer le ballon, ce qui va créer du son. Il faut que ce soit bien tendu, mais pas trop. Tu vois si l'air passe ou pas. S'il passe pas du tout, tu peux redresser la cuillère un peu vers le haut, t'as compris? On a un saxophone! Le moins cher du monde. Ça, c'est la version avec un tube en carton, qu'on va relier à un micro. La partie en métal transforme la vibration de l'instru en son. Et ça coûte que 2 euros. Le micro piezo est scotché au manche de l'instru. Ça y est, on a notre sax à pile! Mais c'est pas fini. Ça marche avec tous les tubes. Le sac, ça pêche.